Un jour, un saint. Bienvenue sur la chaîne qui commémore ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église à travers les âges. Aujourd'hui, le 27 juin, nous commémorons Saint Cyrille d'Alexandrie. Bonjour. Saint Cyrille d'Alexandrie est né vers l'an 376 en Égypte. Il est l'une des figures les plus importantes de l'Église primitive et a été patriarche d'Alexandrie de 412 à 444. Cyrille est surtout connu pour son rôle clé dans les débats théologiques de son temps, notamment lors du Concile d'Éphèse en 431, où il a fermement défendu la doctrine de la maternité divine de Marie contre les enseignements de Nestorius. Cyrille a écrit de nombreux ouvrages théologiques, homélies et lettres, dans lesquels il a expliqué et défendu la foi chrétienne. Ses écrits ont eu une influence profonde sur la théologie chrétienne, en particulier sur la compréhension de la nature du Christ et de la Trinité. Bien que Cyrille ait souvent été critiqué pour son style de leadership autoritaire et ses méthodes parfois brutales pour imposer l'orthodoxie, il est reconnu comme un docteur de l'Église pour sa contribution théologique et sa défense ardente de la foi chrétienne. Il est décédé le 27 juin 444, et sa fête est célébrée par l'Église catholique et orthodoxe. Voici une prière dédiée à Saint Cyrille d'Alexandrie. Ô Dieu, qui a donné à ton Église le bienheureux Cyrille pour défenseur de la vraie foi et docteur de la sagesse divine, accorde-nous, par son intercession, de garder intacte la foi qu'il a enseignée et de vivre selon les préceptes de ton amour. Saint Cyrille, toi qui as combattu pour la vérité et pour l'unité de l'Église, guide-nous et protège-nous dans notre cheminement de foi. Intercède pour nous auprès du Seigneur, afin que nous puissions rester fermes dans notre foi et courageux dans notre témoignage. Amen. D'autres saints sont aussi commémorés ce jour. Nous vous les présenterons dans nos prochaines vidéos. Bonne fête à tous les natifs de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau saint.